J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce week-end à Ice Course dans les Landes pour la seconde épreuve du championnat. Donc on a fait les essais vendredi, ça s'est plutôt bien passé, on était au sec. Et puis hier soir, il s'est mis à faire tempête, donc il a plu toute la nuit, donc pas cool. Et ce matin, pour les essais libres, du coup, on a pris le déluge sur la tronche, hein, on peut dire ça comme ça. La terre, c'était un désastre. Et, en plus, c'est un sable noir ici, donc vraiment compliqué. Là, ça se calme, la piste commence à sécher un petit peu, la terre aussi. Donc j'espère que ça va rester comme ça et qu'on va pouvoir monter les slicks. Donc voilà, allez, c'est parti. Hop hop hop, avant de commencer, je te présente le partenaire de cette vidéo, il s'agit de Insane Parts. Vous connaissez pas Insane Parts? Vous voyez à l'élite, par exemple, au championnat de France de motocross, il y a toujours le 24 MX Tour, au championnat de France des Sables, c'est le championnat de France des Sables 3S. Bah là, c'est le championnat de France de supermotard, Insane Parts, et oui. Insane Parts, c'est le promoteur de notre championnat. Donc je vous ai dégoté un petit code promo, c'est IP Maxity, ça vous donne 10% sur l'ensemble des marques IP Evo, donc tout ce qui est gentil Insane Parts, roue supermotard, flat track cross, mais aussi les freinages Akosato, Motomaster, kit polysport à service, les embrayages Sutter ou même les lignes DVR. Donc voilà, profitez-en, faites-vous plaisir, c'est sur Insane Parts. Code promo IP Maxity, c'est tout pour moi. Allez, c'est parti! Bonjour! Après, je sais que je suis le plus beau, abonnez-vous à moi, Nicolas 36, champion de France, 80. Non, je rigole. We'll be right back.
week-end? Bah, des chutes, et puis bah, on remonte beaucoup de places, donc c'est intéressant. À voir pour la suite, c'est encourageant. Voilà, c'est le clap de la fin. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit le plus beau? Bonjour. On est content d'être là, pas vraiment. Un peu quand même, mais pas trop non plus. Chat. Belle remontée. Ouais, merci, ouais. Belle chute aussi. Trois belles chutes. Bon, ouais. Très bien. Mais bon, dans les chutes, j'ai eu quand même beaucoup de chance. T'as bien roulé quand même pour remonter. Ouais, pour remonter, ouais, c'était dur à doubler, mais j'ai forcé. Ce qu'il faut faire. Ouais. Et toi? Et moi, mais 16 tout le long. La première petite chute à la première dans le dernier tour, alors que j'étais 11 et 12, 11 ou 12 par là. Et du coup, ben voilà. Tu t'es amusé aux portes du top 10. Mais oui, je me suis amusé quand même. Allez, on se retrouve. On espère mieux pour la prochaine. Rendez-vous à Belmont. Bon, ça filme là? Bon, voilà, comme vous avez pu voir, c'était un week-end assez tourmenté. On a beaucoup galéré pendant les manches, il y a eu pas mal de chutes malheureusement. Mais bon, on retient quand même que le positif, on est rentré entier et ça, c'est le principal. Bon, en ce qui me concerne, du coup, comme vous avez vu, je fais 17 au chrono, 16 en première manche, 16 en deuxième, donc du coup 16 au général. C'est quand même plutôt positif, on va dire, en S2, il y a quand même un gros plateau devant, donc ça roule fort. Et en première manche, je me suis quand même bien battu parce que j'ai fait un très bon départ. Sorti de la terre au premier tour, je crois que je suis 11 et je me bats pendant toute la manche pour la 11e ou la 12e place. Mais voilà, il arrive qu'on chute et qui est arrivé dans le dernier tour malheureusement, j'ai perdu l'avant bêtement. Et en plus de ça, je me suis pris un pilote et je suis resté coincé sous sa moto pendant un petit moment, donc j'ai perdu pas mal de temps et du coup bah, je finis 16e. Donc j'étais quand même plutôt frustré de cette chute parce que j'ai quand même fait tout le boulot pendant la manche et au dernier tour bah, j'ai tout gâché. Mais bon, c'est le jeu, c'est des faits de course, donc faut en tirer des leçons. Et pour la deuxième manche, bah, je me suis battu tout le long pour la 15e place et j'ai un peu lâché à la fin et je me suis retrouvé 16. Donc je suis quand même content parce que 16 au général c'est quand même bien en S2. Ça roule fort devant, faut le rappeler, il y a un gros plateau, il y a pas mal de monde. En ce qui concerne Johan, bah, lui aussi il y a eu du bon et du moins bon comme moi. Il fait 12 au chrono, donc ça c'est vraiment bien. Il fait 13 en première et je crois qu'il finit pas la deuxième, mais il est quand même classé. En fait, il a pris un gros par devant juste avant la table dans la terre. Je crois qu'il a tapé la tête, un peu comme moi à l'entraînement, mais 2 semaines avant la course quoi. Et donc du coup il est quand même parti faire des examens aux urgences, mais bon ça va, il est pas blessé. Et au général du coup je finis 16e et lui il finit 17e, donc je suis juste devant lui. Et enfin pour finir du coup pour Richard qui est lui en catégorie S1, donc là avec les gros bras on va dire, il fait 11 au chrono, donc vraiment très très bon chrono. Et malheureusement en première manche, ben lui aussi il est tombé, il a perdu l'arrière sur le bitume et en fait quand il est reparti, il avait son levier de frein qui était coincé en haut comme ça. Donc quand il est rentré dans la terre, en sachant que lui il rentre très très vite dans la terre, ben il a pas trouvé son frein avant. Et en fait le premier relevé, pour lui ça a fait un appel. La moto elle est partie dans un sens, lui elle est partie dans l'autre, c'était n'importe quoi vu de l'extérieur, on a eu vraiment peur. Par chance il s'est pas fait mal, il a rien cassé sur la moto, il a pu repartir rapidement. Et il a quand même fini 17ème, donc franchement vraiment bien. Et en deuxième manche du coup il avait la grille inversée, il partait en première ligne, il perd encore l'arrière au même endroit, la même chute à la con, il perd l'arrière sur le bitume, il repart assez rapidement et là il fait une remontée de fou, on n'a jamais vu ça, il finit 12 en S1, donc vraiment bien. Du coup ça classe 15ème au général. Donc en résumé, bah, y a du bon et du moins bon pour chaque pilote, pour le team ça reste quand même positif parce qu'il y a quand même des bons résultats. On a montré qu'on était capable de rouler vite quand même. Donc maintenant le prochain rendez-vous c'est à Belmont-sur-Ance, une piste qu'on connaît bien puisque c'est là que moi j'ai débuté sur piste hein, tout simplement. Et on va tout donner comme d'habitude pour faire les meilleurs résultats. J'en profite pour rappeler que vous êtes toujours moins 10% avec le code IPMAXCITY chez InSendParts. Donc voilà, le partenaire de la saison, c'est InSendParts, c'est eux qui sponsorisent cette vidéo, donc merci à eux, profitez-en. Et pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, bah déjà je vous invite à le faire parce que bah, c'est la moindre des choses si vous voulez me soutenir. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à aller voir, j'ai fait une petite vidéo, j'ai racheté une moto pour la route, donc ça fait grave plaisir. Un petit 500 AFE, je vais le préparer aux petits oignons parce que celle-ci j'ai envie de la garder. J'ai envie de faire mon retour en stunt et j'ai envie de retourner sur la route, faire le coup en fait tout simplement. Et du coup bah dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Et puis on se donne rendez-vous à Belmont. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, tout ce que vous avez. Même TikTok maintenant. TikTok, je suis plutôt présent sur TikTok, je mets pas mal de petites vidéos. Donc voilà, merci à tous mes partenaires encore une fois, merci à vous de me suivre et puis on se donne rendez-vous à Belmont. C'était Max City Ice Course. Ciao.